C'est officiel, il n'y est pour rien, et pourtant le concombre a désormais mauvaise réputation sur les marchés. À Corba comme ailleurs, on l'a constaté, l'Espagne fait peur, et pour vendre, il faut privilégier les concombres français. Du fait des conditions climatiques, il y a une production qui est en avance, une production française. On donne une préférence à notre production, puisque maintenant elle va nous amener, elle, jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre. Même constat chez les acheteurs du marché de gros. Selon eux, c'est tous les produits d'importation qui sont aujourd'hui boudés par les clients. Les gens sont inquiets, bien sûr, mais dans l'immédiat, on a quand même beaucoup de gens qui se rabattent chez nous, professionnels du fruit et légumes, parce qu'on connaît bien le produit, on charge beaucoup des produits français, nous. Donc ça nous touche bien moins que la grande distribution, où ils travaillent beaucoup avec de l'importation. Le gouvernement espagnol estime que le pays perd 200 millions d'euros par semaine à cause de la polémique. Il a donc décidé de demander une réparation financière à la Commission européenne. À Corba, on regrette également que les producteurs aient été accusés sans la moindre preuve. On ferait mieux de prendre quelques temps de réflexion pour être sûr que ça soit bien ça, parce qu'une crise sanitaire peut arriver à n'importe qui, aux Espagnols, aux Allemands, aux Français. Donc trouvons plutôt les moyens de l'empêcher plutôt que de crier au loup un peu trop vite. Ici, on attend donc que l'inquiétude retombe, mais pour cela, il faudra d'abord trouver l'origine de la contamination. Et pour l'heure, on ne sait toujours pas d'où provient la bactérie mortelle.